Bonjour à tous les amis, c'est Capi, j'espère que vous allez bien, moi ça va pas trop mal. Je vous fais cette vidéo tout simplement parce que j'ai un petit problème et j'ai envie de vous en parler. C'est qu'il y a un petit moment, je vous avais dit que j'allais reprendre ma chaîne en faisant du full Dofus et tout ça, mais je me rends bien compte que j'ai un problème avec ça, c'est que en fait quand je me connecte sur Dofus, ben, j'ai des choses à faire pendant, on va dire, une grosse heure. J'arrive à jouer sans, entre guillemets, m'arrêter parce que j'ai des choses à faire. Mais une fois les, comment dire, le quart d'heure passé, je me rends compte que je m'ennuie affreusement sur Dofus et que je sais plus du tout quoi vous faire comme vidéo. Mis à part monter des persos, mais bon, ça, une fois que vous avez compris le machin, il suffit de le refaire avec n'importe quel perso, ça revient au même. Et c'est un peu lourd. Et je me suis aussi rendu compte que j'étais pas forcément un Dofusien, comment dire, chevronné. On va dire que je connais bien le jeu, mais je suis nulle part selon, enfin, par rapport à d'autres personnes. Et c'est ça que je me suis rendu compte qu'au final j'étais plus un gamer qu'un Dofusien parce qu'en fait, il faut que je change de jeu. Souvent, je vais dire, j'arrive pas à me fixer sur un jeu et de me dire, eh bien, je vais jouer, je vais tryhard dessus, je sais pas moi, pendant une semaine, non, c'est pas possible. Sur une journée, ben, si on va dire, je joue pendant 4 heures, ben, je vais faire 2 heures de LoL, une demi-heure de Dofus, une heure de Hearthstone, et je sais pas moi, et une demi-heure de Robocraft ou de CSGO, enfin, vous voyez bien mon bureau là, il n'y a pas qu'un seul jeu hein, ici, et sur Steam et sur. Et sur Battle.net, j'en ai pas qu'un non plus. Donc je me rends bien compte que quand je fais des vidéos sur d'autres jeux, bah, ça vous fait chier, j'ai l'impression. Enfin, ça se ressent directement au niveau des vues. Hein. Je vais vous montrer ça. C'est pas moi qui invente. C'est pas moi qui n'invente rien, pardon. C'est réel ce que je vous dis. Regardez, on va voir dans mes vidéos. Vous allez me dire c'est pas représentatif parce que bon ça fait moins longtemps qu'elles sont en ligne mais enfin soit. Donc par exemple je fais du Dofus. Voilà, 2000 vues, c'est pas énorme, vous allez me dire pour 31 000 abonnés, mais c'est déjà pas mal. Je fais sur du League of Legends, ça baisse. Je fais du Dofus, boum, 4000 directement. Je fais du LOL, ça baisse. Je fais du Hearthstone, ça baisse encore plus. Enfin, on dirait que vous êtes abonné uniquement pour du Dofus, alors que j'ai toujours fait plein de jeux et enfin j'ai fait 518 vidéos, si j'en ai fait 300 sur Dofus c'est beaucoup hein. Mais voilà, j'aime bien faire d'autres jeux. Regardez par exemple, je sais pas si vous avez déjà regardé, mais par exemple ici le Funcraft, enfin le fun sur Starcraft, le Photon Cycle, vous regardez ça, on s'est tapé des barres de rire rien qu'à le regarder parce qu'on était mort de rire. Et au niveau des vues, on a quoi? On a 400 vues et au pouce vert, c'est limite, il y a plus de pouces rouges que de pouces verts, c'est pas normal ça. Enfin, je comprends pas. Je vous comprends pas en fait. Je comprends pas que vous ayez pas, quand même, je pas dire l'envie, mais. Enfin, pas le respect, mais bon. Si vous êtes abonné à ma chaîne, c'est pas. J'espère que c'est pas uniquement pour du Dofus, parce que si c'est le cas, ben, vous allez vous faire chier, parce que du Dofus, j'en fais de moins en moins. Et je sens bien que, enfin, sur Dofus, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Et donc voilà, je vais pas dire que j'arrête Dofus. Non, je me connecte toujours, je fais toujours genre des doppels, je vais faire un donjon ou deux avec des potes ou un truc avec vous, mais j'arrive plus à rester autant de temps comme je faisais avant. Donc j'ai un gros souci avec ça et j'ai besoin de vos conseils parce que. J'aimerais bien me remettre à faire des vidéos sur LOL, mais à chaque fois le problème c'est que je fais du LOL. Bon, je suis pas un diamant ni rien, mais j'ai quand même un assez bon niveau. Voilà, je suis or 4 en solo queue, je suis or 3 en 3-3. En argent, enfin en 5-5, on est en argent 2, mais on joue jamais, c'est juste genre pour délirer. Et voilà, j'ai quand même pas mal de choses. Je pourrais apprendre pas mal de choses à vous, surtout aux personnes qui ne jouent pas forcément à LOL, ou alors qui sont. Qui jouent mais qui n'ont pas forcément un grand niveau parce que voilà j'ai des contacts avec pas mal de gens qui sont assez haut niveau comme enfin là ils sont pas connectés, je vais pas vous le montrer, mais je connais pas mal de diamants 1 challenger, donc je pourrais faire genre des
des guides ou des choses comme ça sur League of Legends. C'est vraiment un des jeux que je suis le plus, entre guillemets, accro pour le moment. Parce que, enfin voilà, c'est jamais deux fois la même chose. Il y a des centaines de champions différents à jouer. C'est du 5 contre 5. Il y a moins vous communiquer avec les autres. Moi, personnellement, ça me... Enfin, comment dire? Au niveau de mon anglais, grâce à League of Legends, ben, j'ai attrapé un meilleur anglais que je n'avais avant, par exemple. Et après, ben, je fais aussi du Hearthstone, pas mal. Ça, c'est vraiment un jeu que j'aime vraiment bien. Mais encore une fois, c'est un jeu que j'aime vraiment bien. Mais je sais pas rester plus de, on va dire, 1 heure dessus. Il faut que je... Comment dire? Il faut que je bouge. Écarter tes arachides. What the fuck? Ah, t'es sérieux? Oui, non, ça va, j'ai rien dit. C'est la première aide de Nexramas qui est gratuite, mais j'ai eu peur. J'ai eu peur. Non, mais enfin, soit. Enfin, je me rends bien compte que je vais faire beaucoup moins de Dofus et je comptais vous le dire. Donc, je vais pas changer encore une fois. Vous allez me dire, ouais, mais tu fais des projets, puis tu changes tout. Le truc, c'est qu'à la base, quand j'ai un projet, c'est que j'aimerais bien m'y tenir. Mais si vous me suivez pas un minimum derrière, ben je vais pas continuer à faire entre guillemets de la merde si vous le regardez pas. Et ça, je me rends bien compte que c'est un gros problème qu'il y a sur ma chaîne, c'est qu'à chaque fois que j'ai des projets, j'ai l'impression que ça va vous, enfin, que vous allez apprécier et que vous allez me suivre comme je faisais avant. Et au final, ben, il y a 100 personnes qui sont là, ouais, continuez, et il y en a 30 000 derrière qui sont là, ouais, c'est de la merde, arrête ça, tu sais pas jouer, tout ça, plein de trucs comme ça. Et bon, après, il y a des gens. Il y a des haters et tout ça, mais ça, il y a ça sur toutes les chaînes, hein. Bien sûr, genre, je vais faire un live, je vais monter jusqu'à 150 pouces verts sans avoir de pouces rouges. Et puis d'un coup, il y a un mec qui va venir, il va connecter 10 comptes, il va mettre 10 pouces rouges, il va rien mettre, il va genre, ouais, tu ressembles à rien, et puis il va se casser. Ça me dérange même pas, ça, je commence à avoir l'habitude, c'est pas un souci. Mais c'est le principe de... Enfin, je fais des vidéos sur de plein de jeux différents. Regardez-les quoi, au moins avant de dire que vous n'aimez pas, faites au moins l'effort de le regarder. Et même si vous aimez pas, ben mettez dans les commentaires pourquoi vous n'aimez pas. Faites pas juste c'est du League of Legends, ben, directement dans le truc, oh tu fais plus de Dofus pendant l'interrogation, faites direct. J'en ai des centaines, c'est vraiment casse-couille. Je vais vous montrer un exemple. Je parie, je vais prendre n'importe quelle vidéo de League of Legends. Ben, dans les commentaires, il y a au moins 5-6 personnes qui vont me dire, ouais, tu fais plus de Dofus, quoi, t'avais dit que tu ferais du Dofus, enfin, directement. Les gens, ils ne voient que par ce jeu, alors qu'il y a plein de jeux complètement énormes. Donc, par exemple, je sais pas, moi. Alors, je vais descendre un peu, donc par exemple, je vais mettre. Voilà, on va prendre ça. Il y a 17 commentaires, c'est pas énorme. Alors, pourquoi autant de dislikes? C'est capite. Alors voilà, ça devait pas être du Dofus ta chaîne. Si, mais il n'y a pas un seul jeu, ouais. Il y en a quand même quelques-uns qui comprennent. Alors, oh my god, Hearthstone égale dislike, vive les Kikou, d'accord, on commence. Chaîne 100% Dofus mes fesses, alors le Zobal 200, enfin, directement, je peux pas faire un autre jeu sans qu'il y ait directement des gens, ouais, t'avais dit que tu ferais du Dofus, casse les couilles. Au lieu de regarder la vidéo, peut-être se rendre compte que le jeu est bien, essayer d'y jouer, et puis au final, bah, vous aurez appris autant que si vous aviez, enfin, vous aurez appris plus, pardon, si vous avez regardé la vidéo et faire un effort de regarder un minimum, parce que je vais pas faire des vidéos juste pour dire, c'est une vidéo, comme ça fait des vues, et puis ça fait de l'argent, et puis ainsi de suite. Non, quand je fais une vidéo, c'est parce que j'ai envie de la faire. Il y a quelque chose, en général, c'est beaucoup de trucs, choses marrantes. Et je fais pas des vidéos sans but particulier. Donc c'est pour ça que je suis un peu déçu de voir la réaction de certaines personnes. Et je vous demande un appel de me dire, ben, si vous êtes là uniquement pour du Dofus, ben, je vais pas dire désabonnez-vous, mais... Enfin, faites l'effort de regarder d'autres jeux. Ce que je réussis de faire pendant l'année, c'est des vidéos sur LOL, des vidéos sur Hearthstone, des vidéos sur Dofus. Enfin, je vais faire des vidéos tout au long de l'année, encore une fois. Mais pas sur le même jeu. J'aimerais bien aussi vous montrer, c'est Robocraft là par exemple. C'est un jeu que je commence à vraiment apprécier. C'est un jeu qui est complètement énorme, qui est gratuit.
Et même si je pouvais jouer avec vous, ce serait vraiment génial. Ce jeu est vraiment énorme pour ceux qui connaissent un minimum. En gros, c'est un mix entre World of Tanks et Minecraft. Donc en gros, je vous explique en trois mots. Ce jeu, c'est complètement énorme. C'est des arènes, on va dire, du 12 contre 12. C'est une énorme carte avec plein de choses. Chacun crée son robot au bloc près. Hein. Si vous voulez faire une bite qui roule, vous faites une bite qui roule. On n'en a rien à foutre. Et bah c'est le premier qui tue les autres en face ou alors qui capture le drapeau adverse. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, c'est vraiment génial ce jeu. Et ça commence à devenir un peu connu. Et voilà, après il y a CSGO. Donc là je suis vraiment une grosse bouse, mais c'est marrant de jouer à CS quand je pourrais faire des games avec vous et tout. Et limite essayer de contacter des gens un peu plus forts, histoire qu'on fasse des genre des guides ou. Des choses pour devenir meilleur, pour mieux jouer, enfin des petits tips and tricks, et voilà. Moi j'ai pas mal de contacts grâce à ma chaîne YouTube, et justement je pourrais vous en faire profiter, mais non, directement, il y a quelqu'un qui va venir et dire non, c'est pas du Dofus, c'est de la merde, tu fais pas ça. Et une fois que je suis sur Dofus, ouais, t'avais dit que tu ferais ça, t'avais dit que tu ferais ça, si tu faisais ça c'est mieux, nanana. Et c'est toujours en gros du dislike, tout le temps, il n'y a jamais personne qui dit. Ah ben je connaissais pas ce jeu-là, merci de m'avoir fait découvrir par exemple, ça j'ai jamais vu depuis 2 ans et demi, presque 3 ans que je fais des vidéos. J'ai jamais vu ça, c'est grave. Et donc voilà, je suis un peu déçu de vous d'une part, et enfin je suis déçu de moi parce que je pensais vous faire du bon boulot et je me rends bien compte qu'au final, ben 30 000 ou 1 000 personnes, enfin ça change absolument rien parce qu'il y a cette mentalité de merde qui reste comme il y a sur tous les jeux, c'est toujours les commentaires. On dit toujours sur League of Legends que les FR c'est des toxiques, mais ils ont complètement raison en fait. Je peux aller sur n'importe quel jeu à chaque fois qu'il y a des Français, soit ça se gueule dessus, soit ça insulte les autres et tout ça. Et j'aime pas cette image qu'on donne de notre communauté, et enfin j'aimerais bien un petit peu que tout le monde grandisse un minimum. Et que voilà, qu'on fasse du bon boulot tous ensemble, qu'on apprécie les vidéos qu'on fasse, et voilà. Je me rends bien compte que cette vidéo, il n'y a pas grand monde qui vont la regarder, mais j'espère, pour que vous la regardiez, je vais écrire dans le titre Dofus, regardez la vidéo s'il vous plaît, parce que sinon personne va regarder. Si je mets genre bonus ou machin comme ça, je vais avoir 100 vues, personne ne va regarder. Donc je vais mettre Dofus, tiret. Regardez la vidéo jusqu'au bout, s'il vous plaît. Voilà, je vais appeler la vidéo comme ça. Et donc voilà, c'est peut-être de la publicité mensongère, mais si je fais pas ça, personne ne va la regarder. Et du coup, la vidéo, j'aurais parlé pendant 10 minutes, un quart d'heure pour rien. Et j'ai pas envie de faire ça. Donc voilà, sur ce, ben, j'aimerais bien que dans les commentaires, ben, il y a un peu plus de gens qui me disent, ben voilà, je vais faire l'effort de regarder les vidéos des autres jeux et tout ça. Je vais essayer de grandir un peu par moi-même et donc voilà, j'attends vraiment vos commentaires, je vais essayer de vous suivre ça pendant tout le week-end et pendant une bonne partie de la semaine et je ferai une vidéo de retour à ça et voir un petit peu que vous en pensez et tout ça. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout pour ceux qui ont été courageux et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao ciao!